Gwangju, et juste à côté du motel où nous restons, je vous raconte l'histoire tout à l'heure, il y a un festival énorme. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, du coup c'était pas prévu qu'on filme, mais ouais, je fais une petite vidéo pour vous montrer ça, c'est un truc de dingue. Si vous arrivez à entendre quand même le boucan, mais ça c'est un festival qui est juste à côté de notre motel. Et oui, nous n'avons pas pris un hôtel mais un motel. C'est écrit hôtel sur Booking, mais comment vous dire que le stress quoi quand je suis arrivée hier. Après j'ai beaucoup rigolé et jusqu'à maintenant ça me fait marrer du coup, mais vraiment quoi, un motel mon gars. Non mais le bordel, c'est hyper voilà, vieillot, creepy. Et c'est funky! On se prépare pour aller au Penguin Village. Ça devait être une surprise que je devais faire à l'un, mais comme on est en retard, je lui ai annoncé la surprise. Voilà. Le pauvre, j'ai tout gâché. J'ai tout gâché. Mais c'est pas grave, donc là on y va. On va vous montrer ça. Du coup, on va faire que ça, je pense, aujourd'hui sur Gwangju. Demain, on va à Damyang, la forêt de bambou. Et je voulais faire le musée du kimchi, puisqu'ici il y a le Kimchi Town, c'est le plus gros musée du kimchi du monde, mais le truc est tellement énorme qu'on y passe toute la journée. Et du coup on a préféré voir autre chose, un village culturel, être en plein air comme il fait beau, plutôt que d'aller s'enfermer dans un musée. On verra demain après-midi, après la forêt de bambou, si jamais on a le temps. Sinon tant pis, il faudra revenir à Gwangju. Alors là, on est à la station de Nansang, on est en train d'attendre le métro. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul métro, qu'une seule ligne de métro en fait à Gwangju, parce qu'on voit aucun changement et vraiment qu'une seule ligne. C'est assez rigolo. Donc voilà, on va attendre et normalement on arrive dans 20-30 minutes au Penguin Village. Alors monsieur, il est content? Il est content. Il est trop content, il adore les pingouins. C'était une surprise à la base mais j'ai tout spoilé. Voilà. Bon allez, on vous laisse là. Bon, comment vous dire que là, j'en peux plus. Il fait super chaud, j'ai l'impression qu'il fait 30 degrés. On est que le 2 avril. Oh, chaud. Oh, plus gros soleil. Oh non, insolation. Bon, j'espère que ça ira. Allez, on continue. Une petite pause et prendre un petit thé dans un tout petit café trop mignon où tout est décoré avec des objets de récupération. C'est génial, franchement il y a des idées mais de fou, genre son arbre avec les bouteilles de Macaulay coupées en forme de fleurs, juste génial. Et là elle nous a donné une petite tomate aussi pour pouvoir la manger avec notre thé. Après ça on va continuer notre visite et ensuite on cherchera un petit resto pour déjeuner parce qu'on n'a pas encore déjeuné alors qu'il est déjà
15h30. On va essayer d'aller au petit parc, un petit parc apparemment par ici dans le quartier, et après on va rentrer se reposer parce que demain c'est la forêt de Damien et je pense que faut qu'on se lève tôt hein. voilà. Thank you.
Et c'est ici qu'on vous quitte pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, ça nous ferait vraiment plaisir et nous encouragerait pour nos prochaines vidéos. Et ensuite, vous pouvez nous retrouver et nous suivre au quotidien sur Instagram ou bien encore sur Facebook. Je vous fais des gros gros bisous et à très vite.